Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale qui va vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'en fait il va moins s'agir de vous présenter une réflexion d'ordre philosophico, intellectuel, culturel, etc., mais plus de vous présenter en fait une petite découverte païenne que j'ai fait là, depuis mon arrivée en Bretagne, que j'avais envie de vous partager. Et puis du coup, comme le sujet est différent, le style de la vidéo va être un peu différent aussi. Ça va me permettre de m'amuser un peu à vous faire découvrir un peu plus largement mon petit univers. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous allez bien voir ce que ça donne. Alors, en me baladant dans les rues de la ville de Douarnenez, où j'ai atterri récemment, j'ai été... frappé par le fait dans le patrimoine, dans les monuments, dans les nombres, etc., il y a finalement pas mal, pas énormément, mais il y a pas mal de références à l'Égypte ancienne. Et notamment, il y a deux choses qui m'ont marqué. Déjà, c'est la colline à côté de laquelle j'ai atterri, qui est derrière moi, qu'on voit pas à l'image. Une petite colline sur laquelle pousse une forêt et qui s'appelle le bois d'Isis. Donc Isis, la déesse. Apparemment, c'est un nom assez ancien. Donc déjà, là, ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas là par hasard, ça. Et puis, ensuite, en me baladant un peu plus vers le centre-ville, toujours dans le même quartier de Tréboul, de Douarnenez, je suis tombé sur un petit monument qui est beaucoup moins explicite au niveau égyptien, puisqu'en fait il s'agit d'un calvaire, donc un Christ en croix crucifié. Mais en fait c'est un monument qui se situe place Robert Le Goff, pour ceux qui connaissent. Et en fait c'est un petit monument composite. C'est-à-dire qu'il est composé de différents éléments qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas le même matériau, qui n'ont pas forcément la même signification. C'est un monument qui vaut le détour en soi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments très intéressants à regarder. Parmi ceux-là, il y en a deux qui m'ont marqué. Déjà le fait que le socle de ce calvaire soit de forme pyramidale. Alors c'est une pyramide en escalier. Mais une pyramide quand même, la base est carrée. J'ai pas pu mesurer la hauteur, donc je sais pas si ça reprend les proportions des pyramides égyptiennes, mais bon, ça en a l'air de toute façon déjà. Et puis il y a un autre élément, c'est une petite statuette. Quand on passe devant, enfin tout le monde pense que c'est une Madone à l'enfant, il regarde même pas, sauf que l'enfant n'en est pas un. Et en fait, la Madone tient un oiseau, un rapace, dans ses bras. Et c'est pas Jésus qui est représenté par le rapace, et donc du coup, c'est pas Marie et Jésus, mais pour moi, enfin, l'interprétation qui me vient directement, la plus évidente, c'est Isis et Horus. Un petit détail sur lequel je reviendrai plus tard, c'est que l'oiseau en question, donc Horus, il n'est pas debout sur le bras, il est allongé, il a l'air blessé en fait, avec une aile qui pend, il a l'air blessé. Et puis, élément intéressant, c'est que Isis et Horus, du coup, ils font face à l'est, enfin ils regardent vers l'est du côté du monument, et donc ils regardent en direction du bois d'Isis. Donc là, pour moi, le lien s'est fait automatiquement. Enfin, pour moi, ça confirmait, il n'y avait pas à chercher plus loin. Enfin, il y a peut-être à chercher plus loin, mais je me suis arrêté de chercher là. Et comme on ne peut pas voir précisément où porte le regard d'Isis, puisqu'il y a une maison qui se situe en plein dessus, en plein devant, pour savoir où dans le bois d'Isis elle regarde, et je me suis reporté sur Google Maps. J'ai pris la vue aérienne et j'ai essayé de tracer une ligne qui concrétise la direction du regard d'Isis pour voir si elle regarde quelque chose de précis et où ça tombe. Alors j'ai un peu flippé au début parce que la ligne passe sur il reste qu'un petit bout de forêt, il y a tout un côté de la colline qui a été rasé pour y installer des lotissements, des baraques, etc. Donc par là où passe la ligne, c'est vraiment un petit coin de forêt. Donc j'ai un peu flippé, je me suis dit, ça se trouve, ce qu'on pouvait trouver, s'il y avait quelque chose à trouver, ça a disparu. Et puis, par bonheur, j'ai trouvé, quand même, dans ce petit coin de forêt, donc du coup ça aide à un peu plus cibler,
dessiné dans les arbres une sorte de cercle ou de ovale. Et donc du coup, bah, je suis allé voir. Alors je me suis dit, bon bah ça se trouve, je me fais un film, ça se trouve, bah, c'est une forme complètement hasardeuse. Ça se trouve, il y a bien un truc circulaire, mais ça se trouve, c'est juste une citerne ou quelque chose comme ça. Donc je suis allé voir. Le chemin a beaucoup changé par rapport à ce qu'il est indiqué, parce qu'en fait, il a été... Il a changé de tracé, il s'est élargi, c'est devenu une route goudronnée pour conduire à une habitation. Et du coup, bah, la route a été élargie, beaucoup d'arbres ont été enlevés, ça a été pas mal déboisé. Bon, il se trouve aussi que c'est des propriétés privées, toute la colline, donc normalement on n'a pas trop le droit d'y aller. Mais du coup, comme c'était pas grillagé, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir, je vais me faire discret, je ne vais rien abîmer. Et j'ai vu ce que j'interprète comme étant un site mégalithique. Alors, j'ai pas retrouvé le cercle auquel je m'attendais. Il y a effectivement plusieurs pierres, dont une qui est centrale, qui est allongée, couchée, qui a une forme un peu de lit, on va dire. Il y a des plus grosses pierres qui ont été éloignées. Alors, c'est possible qu'il y ait une partie du site qui a été ensevelie par l'élargissement de la route. Possible que des pierres aient été déplacées. Et il y a même une pierre qui a été abîmée puisqu'elle a été forée pour être brisée. Le site a certainement changé, alors je ne sais pas quand, peut-être au fil des différentes époques. Mais il y a bien quelque chose, il y a bien un site, ce que j'appelle un site mégalithique. Mégalithique, ça veut dire de grosses pierres tout simplement. Alors en Bretagne, il y a des grosses pierres partout, mais là elles semblent agencées, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais parce que j'ai trouvé aucun élément, aucune information sur internet concernant ce site-là. Des informations très contradictoires, très peu et très bizarres sur le calvaire. Donc du coup, j'avais pas grand-chose à ma disposition. Donc je me suis dit, Isis doit regarder en direction d'un lieu de culte qui doit être un lieu de culte isia, qui est le druidisme et le culte d'Isis était apparemment assez lié. Mais du coup, j'avais la chance d'avoir sous la main une amie qui est médium. C'est la personne qui m'a aidé, avec qui je travaille, par exemple, pour essayer de trouver des explications matérialistes au phénomène spiritualiste. Donc, en fait, je m'en suis un peu remis à elle pour savoir si elle pouvait avoir des informations complémentaires, de sources médiumniques, du coup. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, concernant le calvaire, donc c'est-à-dire le monument qui fait où se situe la statue supposément d'Isis et Horus et qui fait face au bois d'Isis, mon ami médium m'a confirmé que selon elle, selon son clair ressenti, il s'agissait bien d'Isis. Et elle m'a précisé par rapport à Horus blessé, agonisant, tel que je le voyais moi, elle m'a dit... ce serait Horus maudit, mais on n'a pas eu plus d'éléments que ça. J'ai du coup ma petite hypothèse que j'expliquerai après. Mais donc voilà, déjà elle me confirmait ce que j'étais content, ce que j'avais interprété. Et puis concernant le site mégalithique qui se situe dans le bois d'Isis, auquel pour moi c'était un lieu de culte isiaque, autodidique, etc. Selon elle, ce qu'elle a senti, c'était que si c'est un lieu de culte, un lieu de rituel, etc., c'est parce que c'est d'abord un tombeau. Donc ce serait en gros une sorte de dolmen effondré ou peut-être d'une forme différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Donc un tombeau où serait enterrée une personne importante. Et c'est parce que cette personne importante y serait enterrée que ça aurait pu servir de lieu de culte. Et qu'on l'ait jugé bon de tourner Isis de ce côté-là pour nous en indiquer le lieu. Et donc, ce qu'elle a ressenti concernant la personne qui serait enterrée dans ce tombeau, ce serait une femme, très certainement une grande prêtresse, et elle lui est même venu un prénom. Cette grande prêtresse serait nommée Eleanor. Donc ce serait une personne particulière, le lieu émane une énergie selon elle très pure, effectivement quand on y va on s'y sent bien.
D'ailleurs, c'est un lieu, en fait, enfin, elle a ressenti, enfin, on a fait tout un protocole d'activation, et puis elle m'a dit, quand tu y vas, puisque c'est un lieu très, très pur, donc à la fois enfin, très bénéfique, mais auquel il faut faire attention, il ne faut pas le polluer quelque part. Dans un sens, il faut se préparer à y entrer, déjà en demandant la permission, et puis c'est bien de faire une petite offrande, alors ça peut être un petit bouquet de fleurs, quelques fruits, par exemple des fraises, des bois, des trucs comme ça, un coquillage. Et il faut qu'il y ait une intention de rencontre pour y accéder. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu testé ce lieu, j'y suis retourné tout seul à plusieurs reprises ensuite. Je me sentais appelé à ce lieu, donc pour rentrer en contact avec, comment dire, l'âme ou en tout cas l'énergie, l'impact d'Eleanor. Et effectivement, j'ai senti en m'allongeant sur cette pierre qui a l'air prévue à cet effet, puisqu'elle est, elle est allongée, sa forme, disons que c'est un peu plus étroit à un endroit et un peu plus haut, donc ça invite à y mettre sa tête et plus bas les pieds. Elle est légèrement creusée, ce qui fait qu'on ne roule pas sur les côtés. Et effectivement, j'ai senti déjà un grand apaisement. C'est un lieu enfin, très agréable. Et j'ai même senti, avec mon petit ressenti, comme une présence, la sienne, qui est très très bienveillante. Alors, en guise de conclusion, je vais vous proposer ma petite interprétation, on va dire intuitive comme ça, au premier abord, de la signification de cet ensemble. Horus, qui est représenté par un oiseau, représente, à mon avis, parce que l'oiseau représente aussi tout ce qui a trait à l'esprit, à l'âme, à la spiritualité, et le fait qu'il soit blessé, agonisant ou maudit indique une blessure de l'âme, une blessure de l'esprit. Et en fait, cette statuette me donne l'impression qu'en fait, Isis emmène son fils, invite finalement ses enfants à se diriger vers ce lieu-là pour soigner les maux d'esprit. Donc ça va être très certainement que ce lieu-là donc a un rôle thérapeutique dans le sens de, mais précisément psychologique ou spirituel, etc. Par ailleurs, dans ce sens-là, dans le sens de soins auxquels on est enfin, de lieux de soins auxquels on est invité à se rendre en cas de pépin. Je suis allé voir l'étymologie du prénom Eleanor. Et ça viendrait du grec éléos, qui signifie compassion, et du latin lénire, qui signifie apaiser, au sens d'apaiser une douleur, une souffrance. Donc ce qui confirme un petit peu le fait que ce soit un lieu où cette personne, l'âme, en tout cas, soit l'âme, soit la trace de l'âme qui est imprimée dans la pierre, dans ce lieu-là, a pour fonction, a pour vertu d'apaiser, de soigner les maux de la main. Alors, il y a possiblement un petit anachronisme, puisque les mégalithes datent d'avant les druides, d'avant les cultisiaques. Ils sont généralement préhistoriques. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une personne enterrée là-dedans qui s'appelle Eleanor, qui est un nom gréco-latin, est-ce que c'est pas un anachronisme? Alors, déjà, premier point, effectivement, il semble que les cultisiaques et druidiques soient arrivés après les mégalithes, mais en général, les religions païennes, même si elles sont nouvelles dans le package, elles ne font en fait que renouveler un package ancien, et en général toutes les religions, notamment païennes, donc qui sont ancrées dans la sensation face par exemple aux énergies telluriques, etc., récupèrent très facilement, s'approprient, mais enfin redonnent du sens, renouvellent le sens et conservent les lieux sacrés. Et pour revenir à l'anachronisme qui peut être perçu par rapport au prénom à Éléonore concernant une personne enterrée sous un mégalithe, donc plus, logiquement plus ancienne, c'est
très probablement, je me suis dit à un moment, en fait, ça se trouve, puisque ça, finalement, le prénom lui-même est Léonore, ça veut dire certainement la personne qui apaise, qui apporte de la compassion, qui apaise les souffrances, les douleurs. Et bien, très certainement que ce qu'on prend pour un prénom est en fait un titre ou une fonction, un petit peu comme quand on dit César, quand on parle de César, en fait, César, c'est un titre aussi, c'est pas un prénom. Donc, très certainement que ce prénom soit une fonction possible qu'on prend pour un prénom, qui devient un prénom, mais un prénom tardif attribué à une personne qui lui va très bien et que si cette personne ou l'âme de cette personne ou alors l'empreinte de l'âme de cette personne s'exprime toujours, puisse accepter et se reconnaisse dans ce nom-là. Bref, voilà, ici s'arrête presque la vidéo parce qu'il va y avoir une dernière partie post-conclusion un peu plus contemplative. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter ce lieu parce que la découverte pour moi c'était assez stimulant, assez passionnant, de ce petit jeu de piste auquel je ne m'attendais pas forcément. Jeu de piste ancien qui est a priori pas connu, peut-être de certains initiés actuels. Peut-être de personnes, mais ou d'initiés plus anciens, etc., puisque la statue a été volontairement placée dans la bonne direction. Donc déjà, ça m'a beaucoup plu de ce petit jeu de piste, et je pense que, on est tous à même, si on est un peu attentif, à retrouver ce genre de lieu et ce genre de choses, en étant attentif à ce genre de jeu de piste qui nous sont proposés, même à travers les arches. Et puis, c'est vrai que je m'inquiète un peu pour la pérennité de ce genre de site, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un site qui est inconnu et qui est abîmé, qui n'est pas abîmé volontairement, mais à mon avis, plus par manque de conscience, de perception. Là, il fallait faire une route, on a élargi, etc. Une pierre devait gêner, on ne s'est pas rendu compte, etc. Mais donc voilà, je voulais en parler un petit peu pour faire connaître à la fois ce site-là et puis soulever l'idée que y en a peut-être beaucoup d'autres qui existent comme ça et qui peuvent avoir une fonction aujourd'hui et qui peuvent être intéressants et que ce serait dommage qu'ils disparaissent. Voilà, je vous laisse maintenant avec un petit truc, un petit ovni que j'ai pas l'habitude de faire. Mais voilà, à bientôt. Apaise et calme des cœurs les mots.